Sur l'usine de lubrifiant qui a lancé ses opérations le 29 octobre 2020, donc il y a bientôt un an, nous fêterons bientôt les un an. L'usine va nous permettre de produire tous les lubrifiants haut de gamme dont le marché algérien a besoin et par là même de participer au développement économique de l'Algérie qui est un marché à très fort potentiel. Donc, tant sur le marché automobile à court ou moyen terme que sur tous les marchés industrie, puisque dans cette usine nous avons aussi un laboratoire indépendant qui fait des analyses dites ANAC, des analyses comparées qui vont permettre d'augmenter les intervalles de vilange, de réduire l'usure prématurée des pièces et donc de rendre les entreprises plus compétitives dans le domaine de notre activité. Nous avons un réseau d'une centaine de centres de vidange, de Total Quartz autoservice pour les véhicules légers, Total Rubia autoservice pour les véhicules poids lourds. Nous avons pour ambition d'avoir une vingtaine de centres de vidange poids lourds sur le territoire algérien et nous avons aussi des centres de vidange pour les motos. Des centres qui sont appelés motozones. L'ambition climat qui a été présentée par le groupe avec le net carbone, net zéro carbone à horizon 2050, alors elle se fait à travers aussi le nouveau mix énergétique du groupe, mais aussi pour notre branche et la branche marketing et services à travers le développement des produits haut de gamme, des huiles multigrades et puis aussi, comme je vous le disais, les analyses qui permettront d'augmenter les intervalles de vidange et de permettre ainsi une réduction des émissions de CO2. Alors, nous avons des lubrifiants qui répondent aux normes pour les moteurs GPL et je dois vous dire que nous avons aussi une gamme que nous pourrons commercialiser en Algérie, qui est une gamme qui est destinée aux véhicules électriques et véhicules hybrides. Ça veut dire que quand je lis chez vos confrères dans la presse qu'il y aurait un certain quota de véhicules électriques en Algérie pour les futures importations, nous sommes à même de fournir le marché algérien sur les lubrifiants pour répondre aux besoins de tels véhicules.